Qui vont. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Déjà, je vous ride avec le vélo de mon père, on a reçu le nouveau cadre et tout. Certains sont déjà au courant. Ensuite, autre truc qui va pas. On a eu un petit problème avec le pneu, donc Alex va rouler sans pneu, comme ça, s'il meurt, ça fera des vues. Bon, déjà, ça fait chelou d'avoir une tige de sel télescopique et une transmission qui marche. Mais c'est avec le nouveau ressort. Parce que j'ai changé mon petit ressort. J'ai mis un petit ressort progressif de Chicken Creek. Ah voilà, tout de suite un peu plus agressif. Je crois qu'Alex est parti sans sa roue. Il a fait la vidéo. Allez, un petit saut, petit saut. Ça marche très bien. Allez, au papier, on les follow. Tu vas faire la descente avec. Oui. Mais c'est pour YouTube, t'inquiète. Winnie. Ouais. Et t'es où? Tu sais que je suis nul sur mes deux pattes. Hein. Vas-y, je sais pas faire de l'escalade moi. Espèce de folle. Ah ok. Regarde, on voit la forme des nuages. Là c'est le gros nuage là qui fait la lumière. Le nuage qui fait de la lumière. Non mais viens. L'ombre. Tu vois l'ombre entière du nuage. J'espère que le caillou il est solide. Pourquoi? En fait, je le sens pas. Parce que métal contre métal, du coup, ça glisse. Alors, j'ai jamais trop roulé en 29. Donc, on va pas trop engager, tu vois. En plus, les pneus, ils sont dégonflés de ouf. Bon, t'inquiète. Hop, t'engages un perré. J'ai tout passé. T'as même sauté les drops et tout. Ouais, j'ai tout fait comme toi. Nickel. Alors celle-là, on sait qui arrive. Allez, Sam Pilgrim. Engage, engage. Oh la vache. Oh le baiser. Là on voit pas mais c'est hyper pentu. Tout le monde. Ouais, il a un problème de pneu mais t'inquiète. Winnie, je peux avoir mon vélo. J'arrive. Ouais, j'ai ma transition qui marche plus. Ouais, par contre la table. La table faut engager pour la passer. Bah attends, je peux chier celui-là. Quoi comme ça? Non. Oh quoi? Quoi? Si, quoi, mon, hein, quoi mon papa. Alors sur celui-là j'ai pneu un peu trop mou. Ah sa mère, il tape dans le fond. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ah j'avais oublié. Eh regarde, tu vois, je te donne. Ouais. Ouais. Voilà, bah j'ai fini. Bah oui, évidemment je filme. Wow. Ok. Bon là on connaît pas du tout, on n'est pas monté par là. Allez hop, le plus con en premier. En plus avec un vélo que je connais pas. Putain, et en vrai c'est en gage hein. Ta mère, hein. Là le drop. Oh je vais par là. En plus c'est pas mon bike. Est-ce que genre tu vois? Ouais ok non c'est vraiment un. C'est vraiment un mur. Il y a une recette derrière? Non t'atterris à plat. Ouais. Alors apparemment nous avons un léger problème de jeu fonctionnel. Bah ah ouais. Un gros problème. Ah on dirait comme moi. Attends mais faudrait peut-être resserrer. Ouais ça se resserre à la main. Avec ma transmission gitan qui tient bien. Oh sa mère. Oh comment j'ai failli mourir à cause du vent. Mec, t'as vu comment t'es parti? J'ai schlarp à l'arrière à la récep. Alex m'a fait remarquer un truc et c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Pourquoi est-ce que j'utilise pas le vélo de mon père pour faire des jumps? Parce qu'avec mon vélo là, j'ai talonné à l'avant, l'arrière je sais pas, j'ai pas eu l'impression. Avec le Sun, rien que sur le River Gap, je tapais de ouf. Et on a pété le cadre une fois, j'ai pas envie de péter le cadre une deuxième fois tu vois. Donc là on va essayer ce giga jump. Et je laisse Alan d'abord essayer. Ah! Non tu veux essayer d'abord? Bon comme tu veux, moi je m'en branle. Wow.
Ouais. Il y a trop de vent. Ouais, pour de vrai, même ici, je sens. Ah, mais là, c'est vénère. Hein. Ah ouais, le vent qu'il y a, non mais vas-y. Bon, on va réengager le River Gap. River Gap sans river, because la sécheresse, tu connais. Allez, on va laisser le tour à Alex. On va engager sur la petite... petite table. Oh sa mère, j'ai vu ma vie défiler. Pourquoi ils font des trucs qui sont pas dans mon sens aussi? Bah en tout cas, on a vu que rouler sans pneus, ça marche. Ça engage. Recoucou les copains! Il y en a un, il s'est buté sur la double, du coup, bah en fait, on rentre. En plus, quand c'est pas ton vélo, tu sais, genre, tu roules toujours un peu moins fort. Bon, là, on va y aller smooth, hein. Une remarque aussi sur ce vélo-là par rapport à mon clash, c'est que même avec l'amortisseur. même avec l'amortisseur de ressort de mon clash, le clash reste quand même beaucoup moins collé au sol. Boy. Ah, ils sont trop forts mes copains. On va faire un petit état des lieux de ta jante. Bon bah c'est sucé. Il y a des trous dans le fond de jante. Il y a des trous dans l'aluminium du fond de jante. Ici genre, on voit bien un petit impact en effet. Sinon en vrai le bord il va à peu près bien. Bon étonnamment ça passera plus tu blesses. Mais voilà, sinon au niveau voile, bah comme avant ça a absolument rien changé. Donc vous pouvez rouler sans pneus, ça vous fait 50€ et d'économiser tous les 6 mois. Je pense que c'est pas mal. Tu perds un peu en adhérence. Oh, pas tout de suite les grands mots. C'est là-dessus qu'on se quitte. Regarde, je fais un check front, d'accord? Vas-y, fais un check front. C'est sur ce qu'on se quitte, mesdames et messieurs. Au revoir.